Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey, chers amis. Donc, nous allons continuer cette aventure avec un petit peu plus de difficultés que prévu finalement, hein, comme on aurait pu vous en rendre compte. Hein. On en chie un peu plus que prévu, j'ai lancé le jeu, je crois que c'était en difficile. Le nom de la difficulté en question. Non sans un petit regret quelque part. Hein. Oula, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Loading Bay, bonjour. Ah mais j'en viens de là. Ok, oui, à chaque fois que je lance le truc, à chaque fois que je me fais avoir, je peux pas sprinter. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tout a repop? Apparemment non. Capsule de vie de Galegos. Bonjour monsieur. Là-bas, il y a cependant bel et bien des choses. Des tourelles, ok. Ok. Capsule de vie de Galegos. Comment je crouch déjà? Il va y avoir un système de... Il y avait un système de crouch. Alors attendez, parce que depuis le temps, ça commence à disparaître dans mes... Attaquer, nanana, mode furtif, C. Oui, ça me semble logique maintenant que je le dis. Le canon glu, je pourrais peut-être le prendre finalement. Crac. Ici, je n'ai pas la clé. Ici, c'est ouvert. Ingénieur détruit. Et l'Occident resté inébranlable. Mais ce n'est pas une clé. Utilitaire. Porte de sécurité. Carte de la zone. Carte de la zone, je pense que je l'avais téléchargée. Voilà. Crac, bon, on y retourne alors. Ça c'était vide. Aha. Alors pourquoi ne suis-je pas allé en bas? Pourquoi ne suis-je pas allé en bas? Oula. Oula, il y a une épée là en bas, non? C'est un fusil? Putain, je croyais que c'était une épée. Je me suis cru dans The Surge, j'espère, un instant. Je vais prendre tes munitions et le fusil au passage. Cosmos nain rouge. Aha! Aha, vous êtes tellement classique! Vous êtes tellement classique! Un petit peu de... Merci. Mon armure a l'air en piteux état, il me semble pour la... Voilà. Faut que j'aille ici... Et c'est ça, non, pieds détachés, ceux-là. Ça, c'est ça. Ok. Et on est bon. On est bon, on est bon. Ok. Je remonte. Plusieurs raisons à cela. Ça s'ouvre, ça? Non. Ça ne s'ouvre. Là, il y a des fruits. Ok. C'est pas grave, on n'aura pas le dernier. Pourquoi je remonte? Parce que... Nous avons la possibilité... une tourelle. Nous avons la possibilité de nous régène. Enfin, de nous, comment, de nous recharger en termes de compo. C'est une chose que nous allons donc faire. Dès maintenant. Transférer le rebut. Voilà. Voilà. Crac. Ça me semble être bon. Recycle, voilà, comme ça je suis. Bonjour. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir un maximum de choses, si je puis dire. Pour quand on retrouvera à nouveau un truc pour créer. On avait un derrière, je le sais bien, vous inquiétez pas. C'est simplement pour m'en assurer. Capsule de vie de Galegos. Galegos. On va aller voir ce que c'est. Parce qu'il faut le temps que ça me revienne aussi quand même. Qui est December? Il y en a plein. D'accord. Bon, on y va quand même, on va bien voir. Hein. Je suis curieux de savoir ce que ça va me donner. Mais jusque là, quand je vois ça, c'est pas rassurant. Sauvegarde.
Faut que je sauvegarde un peu plus souvent de cette manière-là, parce que je sauvegarde toujours en... En sauvegarde rapide, sauf que... Ah bah voilà qui résout le problème. Oui, sauf que finalement, bah... Merci, j'avais oublié de le faire. Sauf que, bah écoutez, si j'ai un bug, je suis baisé, hein, littéralement, hein, je suis complètement baisé. Ok, bon bah finalement, on n'ira pas alors du coup. C'est parti mon kiki. Ça c'est pour le 1, le 2, le 3, le 3, voilà. D'accord. Alors j'imagine que je peux tirer dedans. Ah oui, elle est pas active. Elle est pas active la tourelle, je m'en rappelle maintenant. J'ai normalement vidé tout ce qu'il y avait à prendre là dedans. Donc on est bon. Et Dieu merci, elle n'est pas active. Ça c'est pour redescendre sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Fantôme et terrible, il faut encore de la recherche à ce sujet. Ok. Terminé. Absorption d'éther. N pour voir les nouvelles capacités disponibles. Absorption d'éther. Résiste. 50% de tous les dégâts éthérés sont absorbés en transformant en point psy. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça c'est quoi, copie fantôme? Il faut que j'ai ça pour pouvoir aller plus loin. Sauf que je pourrais me prendre ça. Et là, nanana, comme des opérateurs, utilisent deux psy. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à se former en opérateur en fait? C'est ça le truc. Ça que je capte pas. Est-ce que j'ai le droit à leurs compétences du coup? Parce que ça, ces trucs là, ça peut être carrément intéressant. Ça, regardez, attends, créer un fantôme pour combattre avec vous. À partir d'un cadavre humain, cela dit, ça va être plus compliqué d'en trouver. Oh, allez, soyons fous. Ça, c'est quoi? Attaque et environnement. Ouais, on va prendre tout ça parce qu'il faut qu'on soit un peu plus à même de se protéger. Voilà. Nouvelle attitude psy disponible. T'es pas flippant quand tu dis. Le cauchemar vous traîne. Quoi? Cet énorme typhon est apparu peu après l'installation de vos nouveaux modes extraterrestres. Putain de merde! Le Slenderman! Oh non, pas à travers le mur! Mais non! Mais non, je m'insurge pas à travers le mur! C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais la porter pour la poser devant moi. J'ai été stupide. J'ai été complètement stupide, j'ai pas lu les trucs. C'est pas grave, bon. Donc, on va prendre cher. Oh, puis faut que j'aille rescanner le truc là-bas.
Ok, bon. En tout cas, c'est cool, hein. Si je deviens trop puissant... Ok, c'est bon. On refait la même. C'est parti. Nouvelle aptitude psy disponible. Ouvre! Apparemment, elle fait le taf. Apparemment, elle fait le taf. C'est débile. D'autres spécimens sont requis. C'est débile ? Ok. Bon bah je sais pas ce que t'étais à part un cauchemar, hein. Mais on pourrait aller voir vite fait ce qu'on peut en trouver de ce truc là. Résistance à la peur, d'accord, ok, donc je suis censé avoir peur de cette saloperie. Ça m'étonne pas en un sens, hein. Contrôle des machines, ça peut être intéressant. Même si c'est très 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 limité en termes de temps, je trouve. C'est ça que j'aurais dû prendre finalement. Ça va être contrôle des machines 2, contrôle des machines 3. Ok, bon. On progresse. J'ai bien aimé aller là-dedans, moi. On va devoir un passage droit devant, en fait, je pense. Crac. Alors pour rappel, je ferai plus de dégâts dans le dos d'un ennemi. Qu'est-ce que je dis dans le dos d'un ennemi ? Ça me prend tellement de munitions pour tuer le moindre truc. C'est que je m'y prends mal alors, hein. C'est absolument que je m'y prends mal. Full life. Ok, on est reparti pour un tour. C'est cool. C'est bon. Oh. Oh, saloperie. Ok. Voilà, j'avais dit qu'il y avait un ascenseur par là, forcément. Stockage, c'est ici. Mais il doit y avoir tellement de choses intéressantes dans le bâtiment central. Ah bah. Un comique. Question. Alors, tu le faisais avant ? Qu'il le faisait avant, donc c'est faisable. Quoi ? Morgan, j'ai trouvé un projet de satellite traitant des signaux psychotroniques à distance. Le RPSS X5. Il pourrait imiter une empreinte neurale identique à la vôtre. En d'autres termes, vous pourriez vous en servir pour vous débarrasser de ce nouveau Typhoon. Malheureusement, d'après les derniers rapports, le satellite a été endommagé. Vous allez devoir trouver une pièce de rechange.
Attends, parce que je l'ai pas eu là. Bon, apparemment je peux pas grimper. Hein. Bon après-midi, Talos. Le déjeuner est servi à la cafétéria de 12h à 14h. Veuillez consulter le programme hebdomadaire pour connaître le menu du jour. Qu'est-ce que c'est là-bas, tourelle? Attendez, faut que je... Parce que là, avec la nuit, le problème, c'est que j'y vois pas grand-chose. Voilà. Le vol a manqué de me tuer. C'est génial. Et je suis coincé dans une zone où je suis pas censé être. Non, c'est bon. Bon. Le vol a manqué de me tuer. Le vol a manqué de me tuer. Par là. Oh là. Fantôme thermique. Scan terminé. Nouvelle aptitude psy. Il est pas sûr. Mais bien sûr. Maison endommagée. Oula. Tu crois? Pourquoi à chaque fois je me fais avoir? Pourquoi? Explique-le-moi. Quoi? Ça sort d'où ça? Ça sortait d'où? Je veux bien croire qu'il y a un ennemi là. Mais alors qu'il y en est 36 000, on dira, c'est le principe du jeu, Marcus, mais... Quand même. Faiblesse psychique. Attendez, on peut peut-être mettre ça à notre avantage. Nouvelle aptitude psy. Peut-être mettre... C'est pas ce que je voulais faire du tout. Manipulation d'essence, explosion cinétique. Ah bah c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ok. Ok. Morgan, j'ai trouvé un projet de satellite. Oui, ça je savais bien. Des signaux psychotroniques à distance. Le RPSS X5. Il pourrait imiter une empreinte neurale identique à la vôtre. En d'autres termes, vous pourriez vous en servir pour vous débarrasser de ce nouveau typhoon. Malheureusement, d'après les derniers rapports, le satellite a été endommagé. Sale bête. Devoir trouver une pièce de rechange. Oh, tu m'esquives pas comme ça, toi. Tu m'esquives pas comme ça, toi. N'oubliez pas que les procédures de sécurité de Transtar okay. incluent une inspection hebdomadaire de votre uniforme. Rendez-vous au laboratoire technique pour un diagnostic. C'était ça qui s'est passé. Attendez, ça apparemment, je sais pas ce que c'est. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'es? Mimique supérieure, d'accord.
Il fait atrocement mal. Ok. Ok. C'est con parce que c'est en haut que je veux aller, moi, pas en bas. Soyons fous. Oh, je sens que j'aurais pas dû aller là. Oh, je le sens pas. Je suis dans la chaudière. Je suis dans la chaudière. Attendez, parce qu'il y a un truc que je capte pas. Comment je suis censé rentrer dans le petit truc à droite là? Là-dedans. Là, il y a une porte. Ouvrir. D'accord. Tu veux te la jouer à ça. Bonjour Karine. Comment tu vas Karine? C'est, ça paraît d'être la forme. Plan de fabrication de fusil à pompe, des fois que vous l'ayez pas. Bah, attendez, non Karine, attendez, Karine est morte mais elle n'a pas été possédée. Par conséquent, on peut considérer... Je viens de dire de la merde. J'allais dire on peut considérer qu'il n'y a pas de typhoon. Je vais m'en assurer normalement, hein, mais bon, sait-on jamais. Ok. Ok. Puis, vu le boucan que je viens de faire au passage, on peut continuer à considérer que... Ok. Alors je sais bien, devenu un kit d'amélioration. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une espèce de truc au milieu? C'est les flammes qui font ce bruit là? Ok, je sais où je suis maintenant, c'est bon. Oh. Il y a une vitre. Et je suis baisé. Ouh. J'ai une charge recyclante ou peut-être qu'un... Je peux le faire bouger. Est-ce que ce sera suffisant? Attendez. Visons correctement. Est-ce que c'est suffisant? Ah!
Merde, je suis donc coincé. Donc j'ai gaspillé des hypopsies, je vais devoir gaspiller une charge recyclante. Fais chier. Alors j'espère que j'ai pas gaspillé trop de choses aussi. Non, c'est bon, ça n'a pas cassé ce truc là. Le distributeur d'opérateurs est intact. Cool. Ok. Oula. Je suis déjà venu ici. Non? Oui. Oui. Mais du coup, il n'y a pas d'opérateur. J'ai pas sorti d'opérateur quand je suis venu. Demande de nouvel opérateur. C'est un scientifique? Donc c'est un truc de soins. C'est ça. J'en ai pas besoin à ce moment précis. Opérateur médical, pas besoin à cet instant précis. Dommage, 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 dommage. Salut Jenny. C'est pas l'air d'être la forme, hein. Mais question, du coup, je l'ai tué le machin ou pas? Parce qu'il m'a dit, ouais, oh, vous avez une mission, machin. Buter le gros cauchemar. Mais vu que techniquement je peux en avoir plus d'un, vu que je peux en scanner plus d'un, j'imagine que ça veut dire qu'il y en a plus d'un aussi, au passage. C'est ça, hein, c'est. Parce que j'imagine que c'est comme ça que le jeu il marche, hein, c'est. Ce qui, je veux bien le reconnaître, assez con pour moi, hein, mais. Là, par contre, ça semble assez plane. Hop. Ce bruit. Un panneau électrique à réparer. Ok, on peut réparer. C'est bon. Ce qui veut dire que ça remet l'électricité à l'intérieur. Hein. C'est donc pas forcément une bonne chose. Cabine de Jada Marks. Ok. Clé à griffe, transcrit. Pourquoi pas. Cartouche de fusil à pompe. Il est possible que j'ai raté le fusil à pompe, mais ça m'étonne. Habituellement, c'est pas le genre de choses que je loupe. Il y a de la respiration, hein. Ok, bon, apparemment il n'y a pas trop de bruit, cela dit. Ok, on y est, donc on a fini par réussir à monter là-haut. Mélange végétarien, d'accord. Ok, ça me fait plus. Ah bah, la fumée qui disparaît, bravo Bethesda, merci. C'est beau ça! M'étonne que ce soit vide. Alexiou. Oula, attendez. Ça va être Alex. Je me produisais en douce dans ma chambre quand on était enfant. Tu bidouillais mon ordinateur. Je me souviens du jour où tu as effacé mes sauvegardes de Galactic Conquistador. Je t'ai cassé le bras quand je m'en suis... What the...
Ok, illisible pour moi en tout cas. Je le regrette aujourd'hui, mais je n'aime toujours pas que tu touches à mes affaires. Oh, pauvre petit père. Bon, apparemment, il n'y a personne de violent là-dedans. Oh, des neuromodes. Un neuromode. Un poil radin sur les bords. Hein. L'horizon neural 2. Ok. Super famille. Hein. C'est pas ce que je voulais faire. Du bourbon, des fléchettes, pourquoi pas. Entrée, le mot de passe. Aucun mot de passe trouvé. Oh. Oh, je sens que c'est pas le genre à laisser son mot de passe partout. Oh, d'accord. Oh. Charge recyclante. Faut vraiment que je prenne physique, hein, parce que c'est un peu plus. Ok. L'air gagne, nanana. Ok. Mais ça me parle toujours pas de mot de passe en fait, c'est ça le truc. Je pense pas qu'il va avoir écrit mon mot de passe, c'est. Mais bon. Ouh. Alors celle-là, je m'attendais pas. D'accord, on va s'occuper du coffre juste après, chers amis, ne vous inquiétez pas. Bah, de toute façon, ça va être tout de suite maintenant, finalement. Je voudrais me demander en fait si j'aurais pas eu plus de chance. Ok, donc là, c'est un de ces fameux coffres qui nécessite une série de chiffres qui souvent est planqué quelque part. Troisième extrait. Non. Il y a un 3 là. 0, 1, 3. Je sais pas, ce serait pas ça, non? Regardons les noms. Non, y a rien ici qui semble. Qui semble faire ce qu'il faut. Et puis je vais pas avoir assez de neuromodes pour passer le niveau suivant, pour le coup. Bang bang bang. J'ai dû recycler la photo qui plus est au passage, donc dommage. Voilà ce qu'on fait les affaires de famille, Marcus. Bah oui, écoute, fais ce qu'on peut. D'accord. Mais bon, je me doutais bien qu'il était plus malin que ça, mon propre frère. Regardons partout, hein, absolument partout. Bon bah non. En quelle année tu l'as reçu ? Ah moi, il y a l'année marquée dessus. Le 9e jour de mai. Pas voir à travers les lignes. Tu lis pas à travers les lignes, Mac. Putain. Non. C'est une peine perdue. Je ne trouverai pas. C'est du verre.
Tant pis, on trouvera pas. Trop loin, trop vite, 3, ouais, mais c'est pas ça. Attendez, il y a un 3 là. Minuit c'est 12. Ouais, mais là il y a 9 mai. 3, 12, 9. Oh merde. 9, 12. Non, c'est pas la peine, c'est pas ça. C'est pas ça. J'aurais pu tout essayer, mais je pense pas que ce soit ça, chers amis. Ok, bon bah on y va alors du coup. On monte à l'étage. Hop. Ouh. Ok, cool. Cool. Terraformer Mars. Ok, je vois pas de chiffres. En tout cas, pas quelque chose qui puisse me faire penser à ça. Il faut force physique 1 pour porter un sac d'engrais. Alors, faut savoir que les sacs d'engrais, j'en ai porté un paquet. Hein, donc, c'est pas surhumain de porter un sac d'engrais. Hein. Non, je peux pas monter suffisamment haut. J'y ai cru, cela dit. Hein. Je veux bien l'admettre, j'y ai cru. Il y a une espèce de dash avant à chaque fois que vous appuyez sur... Merde, non. Wow. Là, il y a un truc, là, je rêve pas, hein. Ok, on retente la remontada, là. What the fuck? Putain, j'y suis allé. What the fuck? Ok. EP 101. D'accord. Ok. Why not? J'ai bien vu que ça serait plus le sauvetage ou un truc comme ça. Personnel. Je sais pas ce que je suis censé en faire de ces transcripts que j'ai tous là, tous les transcripts que j'ai. Ça me prend de la place dans mon inventaire de mémoire. Je sais pas ce que je suis censé en faire. C'est pas grave. Bon, on y va. Hein. Tant pis. Ok, on est bon. Bon. Eh bien écoutez, j'ai mis le coup, on se laisse là pour cet épisode, merci de l'avoir. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Vraiment, il est bien long, il doit bien durer une heure. Salut! Ah non, même pas une heure en fait, finalement, il dure 40 minutes. J'attendais plus long, bizarrement, j'ai l'impression de faire plus de merde que prévu. Bon bah, salut!